deux. Moi, je trouve que c'est. Décathlon, ça y est, je suis arrivé. C'est vrai, Décathlon, il est arrivé. Ça m'en dit. C'est vrai, c'est vrai qu'on l'a appelé Décathlon. J'ai pas honte de le faire lever le dimanche matin. Ça va, mon beau gosse? Ça va, mon beau gosse? J'ai passé le diplôme d'entraîneur tennis fauteuil. Et de là, en fait, Aurélie nous a resollicité. Et on en a reparlé avec Chantal. Et du coup, on a réussi à trouver une date et accueillir. Maintenant, c'est devenu un rituel d'accueillir ce tournoi avec grand plaisir. Un an et demi maintenant que je joue. Ah oui, t'as commencé avec le tennis fauteuil. Ouais. Ah ouais, ouais, j'avais jamais touché à une raquette de ma vie. T'es pas venu, Arsenal. Bah alors, je pouvais pas. Bon, ce matin, le veto alors. Ah bah oui. Ouais, ouais. Parce que nous, on est diamétralement opposés. Vous venez de où? De l'aéroport de Roissy. Ah ouais. Je viens de Courcouronne. Courcouronne, donc ouais, dans le sud. Bon. Ouais, donc j'ai mis quoi, 40 minutes. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. Ça va. Ouais, ça va. Un petit café d'abord, ah, tout au départ. Café, ça, c'est important, ça. Donc là, t'es classé combien? T'as 83. 83, d'accord, ok. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Okay. Et t'avais fait un petit peu de tennis avant? En tout, en comptant le valide. Depuis que j'ai 6 ans. Ouais. Le revers, je faisais déjà une main, donc ça allait. Ouais, mais t'as oublié de. Non, tu fais à l'envers. Ça dépend. Ah, d'accord. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. Il m'a parlé de toi, Thierry Mazet. Il m'a dit, elle est super. Ah, mon président. C'est vrai, c'est ton président. Bah oui. Bah oui. En forme? Ah oui, complètement. Bon, bah c'est on bien est alors. Content de revenir. Bah oui, ça je le vois. Je suis Abdelhadi Moutaleb, je suis joueur de tennis, paratennis fauteuil au club de TC Arsenal 92 depuis 2 ans. Et je suis classé 80e joueur français. Alors, moi j'ai déménagé à Dijon il y a 3 mois. Donc là, je viens ici parce que mes parents habitent à côté. Là, c'est des TMC, donc les week-ends, mais souvent, moi, je fais plutôt des Open qui sont du jeudi soir au dimanche. Ouais. Où là, bah, quand on travaille, tout ça, il faut prendre sa journée, il faut anticiper tout ça. Je suis rentré en 3e série il y a 15 jours. Voilà, ça va de 45 à 83 joueurs. Donc, vous savez, il y a à peu près 43, entre guillemets, rangs. Bien sûr. Rangs de différence. Et après, les autres. Au-delà de la 83, ça va jusqu'à de 83, là, parce qu'il y a 300 joueurs à peu près, ça va jusqu'au dernier. Quoi. Je suis 12e, donc je suis au début de la 3e série. En fait. Je suis bientôt en 2e série. Mon médecin, en fait, à l'hôpital Garches, je suis suivi à Garches. Il y a un médecin qui s'occupe des polios comme moi, parce que moi j'ai eu la polio. Et il nous propose de faire des activités sportives et j'ai choisi le tennis. Et après je suis allé à Châtillon parce qu'ils venaient d'ouvrir un club handicapé. Alors en open, oui, moi j'en fais au moins 3-4 par mois. Enfin, j'essaie d'en faire au moins un par mois, voire 3, partout en France en fait. Donc du coup, voilà, ça oblige à bouger. La semaine dernière j'étais à Blois, le mois dernier j'étais à Dunkerque, la semaine prochaine je serai peut-être à Valenciennes. Enfin voilà, il faut vraiment savoir que c'est un budget. Voilà. En plus de l'inscription, de l'hôtel et tout ça, il faut prendre en compte l'essence, la fatigue. On peut se lever comme ça du fauteuil, on peut se lever, réellement on peut se lever pour faire un smash ou un truc comme ça. On peut décoller un peu les fesses, mais pas se lever debout. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre debout parce qu'ils ont juste. Ils n'ont pas amputé par exemple. Ah, voilà. Si les quads, eux, ils ont c'est une autre catégorie. Ils ne font pas le même championnat. C'est ça. Ce qu'on appelle les quads. Des quads. Parce qu'ils n'ont pas d'abdos. Et oui, donc c'est deux catégories. Ce sont les tétraplégiques. Ouais, ouais. Hein. Ils ont aussi les membres supérieurs qui sont touchés. Il faut venir voir. Ouais, bien sûr, ouais. Et là, on n'a pas grand monde. Bon, il est tôt. Peut-être que ça va venir. Ouais, tout à fait. Mais je ne suis pas sûr. Ouais. Mais venez voir. Et c'est toujours le premier dimanche des vacances de printemps, de Pâques. Voilà. Et il y en a de l'année dernière, de l'année d'avant qui viennent parce qu'ils trouvent ça très agréable d'être chez nous. Et nous, on est très contents. Voilà. Après, moi, je fais un petit échauffement élastique parce que je ne peux pas griller mes forces, en fait. Parce que moi, je suis partie de l'autre catégorie du tennis, c'est-à-dire handicap des 4 membres. D'accord, donc c'est la deuxième catégorie. C'est la deuxième catégorie qu'on appelle le tennis quad, voilà, qui veut dire quadriplégie. Ouais.
Donc du coup, moi, comme j'ai des forces quand même diminuées, beaucoup, très diminuées, du coup, je m'échauffe souvent avec élastique, mais je ne fais pas des, de la tape pendant 20 minutes, je ne peux pas. On est mélangés, ouais. On est mélangés, surtout en France, on est mélangés, ouais. Tableau femme. Bah, je sais pas, souvent il n'y en a pas. On est deux ou trois, donc on joue avec les hommes, donc ouais, c'est compliqué. Qui c'est qui joue C'est toi, Décathlon bah, c'est lui contre. On t'attend tout le temps, Décathlon. Hein. D'ailleurs, il joue avec une raquette Décathlon. Septième aujourd'hui, Abdelhadim. Un club où on ne boit pas. Allez, coup de blanc. Merci, ouais. Alors, nouveau participant et sixième, Abdelhak. Allez, bienvenue, Safran, qui vient d'être toi. Allez. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci encore. Hein. Cinquième, Loraline. Tiens. Quatrième, écoute ses blessures. Retour du guerrier. Fabrice. L'année prochaine, il faut prévoir une grosse palette. Hein. Il joue super bien. Voilà. Et Erwan. Bravo. Si le monde sort, on va le revoir. Un futur champion, ça. On va te revoir. C'est sûr. J'ai appris que son surnom, c'était la Lyonne, parce qu'elle lâche rien. La Lyonne, elle rugit. Sophie. Alors Sophie, top ce beau trophée, qui est de plus en plus beau. Ah, il change pas de couleur, il est bon pour la cheminée. Tiens, j'espère que ça va être un peu ta taille. Pour l'hiver prochain. Et puis tiens, tu bois à sa santé. C'est les invendus qu'on lui donne. Enfin, le grand vainqueur de cette journée, qui était tête de série numéro 1 et qui a tenu son rang. Bon, voilà. Patty. Bon, le même du choix. Tiens, c'est une grande taille. Et tiens. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Génial. Tu mets une photo, une petite photo. Ah oui. Encore une photo. Voilà. Ah oui, ah bah oui. Ah non, moi c'est le premier. Mais t'as été briefé. On a été briefé et puis on revient parce que c'est un super moment. Le genre de tournoi qu'on voit que quand on peut aller à Roland-Garros où t'as du tennis fauteuil aussi. Mais là, l'avoir au TCBB, c'est vachement cool.